Dites, oh, je suis beau, je suis sympa, je suis bien élevé, je suis propre sur moi, etc. Je vais avoir du succès avec les filles. Faux. Vous aurez un succès théorique, oui, ça, je vous l'assure, mais pas un succès pratique. Parce que ce qui vous donnera du succès auprès des femmes, c'est l'action. C'est agir sur elles par actions successives. Donc surtout, ne vous reposez pas sur votre physique, oh, moi je suis beau, moi je suis belle, oh, moi ceci, cela, tranquille. Non, jamais. Car à l'arrivée, ce sont vos actions. On le verra après avec le pouvoir de séduction et le pouvoir de conquête. Ce sont vos actions qui vont vous permettre d'amener la femme dans votre lit et non pas le fait que vous soyez beau, etc. C'est un élément important, mais secondaire. Le premier, c'est l'action. D'accord? Donc ne vous reposez pas sur vos qualités. Croyez-moi, oh ben, je suis beau, ça va bien venir quand même, je suis beau là. Non. Jamais vous reposer, dire qu'est-ce que je sois beau, sympa et tout. Ne change rien, ça me donne un avantage, mais un avantage si je drague la femme, si je la courtise. Alors là, vous aurez un avantage. Évidemment que les femmes vont être courtisées par des mecs qui sont beaux, qui sont sympas, qui sont respectueux, évidemment. Mais il faut qu'elles soient draguées. Sinon, ben, elles vous tourneront autour, elles diront, ah, oh, ce mec, je serais bien sorti avec lui. Ah, hein. Oh, ben, c'est dommage. Hein. Ouais, ah, oh, ben, tant pis, non, apparemment, il n'était pas intéressé. Alors qu'en fait, il vous suffisait de la courtiser. D'accord? Donc ne vous reposez jamais sur vos qualités, mais uniquement sur votre comportement cohérent et proactif. Voilà, allez, à tout de suite.